Salut tout le monde, c'est Genio et on se retrouve aujourd'hui pour le 9e épisode de Genio l'archéologue. Donc 9e épisode, je dirais un peu fail, parce qu'en fait je viens de le tourner techniquement et en fait j'ai eu un petit problème de son, j'avais le son du jeu mais pas le son de ma voix, donc du coup je recommence un nouvel épisode, cette fois-ci avec ma voix, normalement vous m'entendez bien. Qu'est-ce que j'ai fait durant ce 9e épisode du moins que j'avais fait et que du coup je vais pas vous poster, je vais vous faire un peu un récap en début de cet épisode-ci. En fait, entre le 8e et le 9e épisode, j'étais parti miner. Et donc j'avais ramené donc du diamant nécessairement pour ce qui va se passer après. Donc du coup avec le diamant j'avais pu me faire une pioche en diamant, je m'étais fait un plastron et donc il me reste 3 diamants ici, j'avais ramené de la redstone, j'avais ramené un peu de cobble, un peu de terre, un peu de gravier, enfin un peu de tout ce qu'il y a de basique et certains fossiles et j'avais expliqué que j'avais eu un problème, Quand j'ai commencé en fait, parce qu'à la base je voulais du diamant pour avoir une pioche et pour pouvoir avoir de l'obsidienne. Et en fait j'ai miné en mine opti et je me suis rendu compte quand j'ai fait ma mine opti que je trouvais aucun fossile parce qu'en même temps je voulais récolter des fossiles. Et en fait c'est lié à quand j'ai changé de mode en fait, quand j'ai retiré le premier mode. Et que j'ai installé le second, en fait tous les blocs n'ont pas été reconnus et du coup ont été supprimés. Donc ça je me les étais redonnés parce que je savais ce que j'avais. Cependant, dans les sous-sols, tous les minerais qui étaient des blocs de fossiles étaient supprimés. Et donc quand je faisais ma mine opti, je me disais tiens c'est bizarre, il y a des trous de 3-4 blocs sur les côtés, en dessous, en face, et je comprenais pas pourquoi. Et en fait j'ai compris que c'était en fait des blocs fossiles à la base, et que donc s'il y avait des trous c'est que le mode avait buggé. Et donc du coup ce qu'il fallait faire pour réavoir des blocs fossiles c'était aller plus loin que ce que j'ai déjà exploré comme terre. On va dire. Donc du coup j'ai fait une mine opti jusqu'en bas, à peu près jusque ma mine est là-bas, donc j'ai descendu par là-bas. Et ensuite je suis parti en ligne droite, en ligne droite, en ligne droite, et au bout d'un moment j'ai croisé un fossile et je me suis dit bon à partir de là je peux avoir des fossiles, et donc là j'ai commencé ma mine opti. Donc voilà comment j'ai récolté quelques fossiles. Donc c'est vrai que du coup j'en avais pas beaucoup, j'en aurais eu beaucoup plus s'il n'y avait pas eu ce bug. Et ça c'est ce qui concerne la partie minage. Donc du coup au niveau minage, donc là j'ai un peu de cobble parce que du coup ce coffre a été plein de cobble. Niveau de terre je sais pas si j'en ai beaucoup à rajouter. Alors je cherche parce qu'en même temps je sais plus trop exactement. Donc oui, j'avais récupéré donc encore un casque brisé, des os, des crânes forcément. J'avais récupéré aussi un os de pied, et alors ça je sais pas du tout comment ça s'utilise. J'avais essayé avec des os et des pieds de crafter un petit peu ça. Des seaux de lait parce que j'avais eu besoin d'analyser des fossiles. Alors quel fossile? Donc j'ai eu un fossile d'ammonite. Donc que j'ai mis ici, je vous expliquerai juste après. Et j'ai eu aussi un fossile de stégosaure. Alors, hop, laisse-moi rentrer plutôt. Le fossile de stégosaure, normalement il a éclos entre quand je me suis rendu compte et maintenant. Ah voilà, il est là. Voilà, donc le petit stégosaure est juste ici. Donc en fait, ce que je disais aussi durant le premier épisode, l'épisode 9 que vous n'aurez pas, que ce stégosaure-là a énormément grandi. Donc il a 7 jours actuellement. Et donc on peut voir la différence avec le tout premier nouveau-né. Voilà, il a 0 jours, hein, comme je vous le dis, je viens de le mettre. Donc la grosse différence qu'il y a entre les deux. Et donc j'avais fait aussi un petit tour des dinosaures et j'avais expliqué 2-3 trucs, donc je vais refaire vite fait ce tour là. J'ai rencontré 2-3 petits problèmes, notamment
au niveau de certains dinosaures qui ont disparu. Alors, au niveau des brachiosaures, j'en avais 3 et maintenant j'en ai plus que 2. Alors, je sais pas du tout pourquoi. En revanche, ils ont l'air de manger les feuilles des arbres parce qu'il y en a plus à cet arbre-là. Et bon, par contre, il y a encore de la nourriture là. Donc voilà. Donc j'ai perdu un brachiosaure. Je ne sais pas comment. Donc voilà. Si vous voyez un brachiosaure dans votre jardin, bah, vous penserez à moi. Ici. Alors oui, ici, c'est une longue histoire. Enfin, plus ou moins. En fait, lors de l'épisode 8, j'avais mis le mosasaure et il était mort aussitôt. Et donc, entre l'épisode 8 et 9, j'ai regardé sur les forums et j'ai vu que c'était un bug directement lié au mod. Donc, c'était pas un fail de construction ou quoi que ce soit. En fait, c'est le mosasaure qui, dès qu'il normalement, dès qu'il attaque, il meurt. Mais là, vous allez me dire, il n'avait pas attaqué parce qu'il n'y avait rien à attaquer. Non, je sais pas. Apparemment, dès qu'il a bougé, il est mort. Et quand j'ai refait des tests en me redonnant un autre œuf, pareil, il est mort aussi aussitôt. Et donc, du coup, j'avais testé de mettre une ammonite dedans pour me dire, bon, bah voilà, le mosasaur, apparemment, c'est mort pour la série. Donc, du coup, je vais essayer de remettre des ammonites parce que j'avais vu un commentaire sur je ne sais plus quel épisode qui me disait pour que les ammonites restent en vie, parce qu'on avait ce problème-là, rappelez-vous, dès le début de la série, pour que les ammonites restent en vie, il faut faire un creux dans le sol, donc comme j'ai un peu fait là, comme dans les rivières et dans les lacs de Minecraft à la génération. Donc du coup, j'ai fait ça durant le 9e épisode, et bah là, en fait, j'attends de voir, parce que là, forcément, ils sont encore là. Mais forcément, j'ai tourné l'épisode il y a une dizaine de minutes, donc forcément qu'ils sont pas encore morts. Mais on va voir durant peut-être à la fin de cet épisode si, donc on verra si elles sont encore là ou pas. Et pourquoi il y en a autant? Tout simplement parce qu'en fait, j'avais été en chercher au niveau de la rivière là-bas pour en redéposer un peu plus là pour que ça fasse plus de monde dans l'aquarium. Même si bon, ils restent tous ici du coup, donc c'est un peu chiant quand même, mais bon. Voilà, donc du coup on a quand même 5 ammonites, je crois, donc dans cet aquarium qui va remplacer les mosasaures si elles restent en vie. Alors ensuite, donc au niveau du ptérosaure, donc le ptérosaure se porte bien, il n'a pas disparu, et j'ai vérifié, j'ai été dans la cage 2-3 fois, et c'est bien lui qui saute, hein, donc j'ai bien fait de mettre ça. En fait, quand on s'approche trop des fois, ça lui arrive de sauter, donc ça va, il saute pas encore trop, donc il dépasse pas les barrières, mais c'était bien lui. Ensuite, Vélociraptor, j'ai eu le même problème que le Brachiosaur, il a disparu, voilà. Donc si vous voyez un Vélociraptor, alors c'est plus dangereux qu'un Brachiosaur, hein, si vous voyez un Vélociraptor, ben, déjà enfuyez-vous, mais voilà, donc le Vélociraptor, je sais pas. Pas du tout pourquoi, mais il a disparu. Voilà. Donc je ne sais pas du tout, mais alors pas du tout pourquoi. Alors je vais aller dormir avant qu'il y ait des monstres. Hop. Du coup, c'est vrai que cette série aura pas été forcément riche en PvE, mais bon, j'aime pas trop ça non plus. Donc bon. Voilà. Donc Vélociraptor, bon bah, avis de disparition. Hein, ils ne sont plus là. Alors. Ah bah oui, tiens là. Le plésiosaure. Alors vous êtes plein durant l'épisode 8 parce que j'avais oublié de les montrer et j'en suis désolé. Donc voici à quoi ressemble un plésiosaure. Bon, on va rentrer, j'espère que je vais pas me faire bouffer. Voilà, donc il a pas mal grossi parce qu'au tout début il était pas aussi gros que ça. Et comme vous le voyez, il y en a que un alors que j'en avais mis deux. Donc pareil, il y a un plésiosaure qui a disparu. Voilà. Donc je ne sais pas où est-ce qu'il est passé et l'enclos a grandement changé, donc vous allez vous demander pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait j'avais confondu en début de série que le mosasaure et le plésiosaure. Donc le mosasaure, lui, il est entièrement aquatique. Par contre, le plésiosaure, lui, il est semi-aquatique, semi-terrestre. Donc c'est pour ça que j'ai fait un grand bassin, on va dire, et un peu de terre aussi. Donc là, il y a de la neige parce qu'en fait on empiète sur le biome neige qui est ici. Donc bon, apparemment ça n'a pas l'air de trop le gêner non plus. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour donner un petit style et puis un côté un peu sympa à cet enclos? En fait, j'ai fait un escalier ici et un chemin qui redonne là-bas. Et en fait, avec un aquarium en fait de verre qui passe en dessous de l'enclos. Et donc, du coup, on peut le voir un peu à la manière des aquariums dans la vraie vie où on voit les poissons
côté avec enfin voilà, un peu dans le même genre, donc ça donne un aspect assez sympa, donc voilà. Donc on peut voir le plésiosaure ici, qui, on me l'a signalé, ressemble à un low class orange. Donc voilà, si vous êtes amateur de Pokémon, ça ressemble à un low class orange, même si low class, il me semble, est un peu plus gros, et de toute façon, il est bleu, low class. Voilà, donc le plésiosaure, maintenant, vous savez à quoi il ressemble, et moi, je dirais que c'est un Pokémon... Ah, un Pokémon... je confonds tout, maintenant. Un dinosaure qui est assez sympa, moi, j'aime bien sa forme, j'aime bien sa couleur. Donc voilà, j'aurais presque à dire que c'est mon dinosaure préféré. Et sinon, au niveau... Alors, eux, c'est quoi? C'est les Dilophosaures. Les Dilophosaures, bon bah voilà, il y a toujours ce bug de téléportation. Alors, des fois, il s'arrête. Vous voyez que lui, là-bas, il est arrêté. On se demande pourquoi. D'ailleurs, on va aller le voir. Comme ça, on verra au moins à quoi il ressemble. Avec la tête qui ressort, super. Voilà, donc le plésiosaure, celui-là, s'est arrêté. Hop, rentre dans ta cage. Ah non, en fait c'est juste la tête qui ressort. Bon, c'est un petit bug, mais bon, c'est pas trop dérangeant. Donc voilà, des fois il y a les deux qui se TP, des fois il y en a qu'un, des fois les deux sont arrêtés. Alors je me dis tiens, oh sympa. Mais voilà, non, sinon ce bug-là n'est toujours pas corrigé. Enfin de toute façon j'ai pas changé de version, donc je vois pas pourquoi il serait corrigé. Et sinon, pour vous montrer bien que... Je vais juste vous montrer que les anémones, en fait... Les anémones, non, les ammonites, que je confonde pas tout. Voilà, donc ils spawnent ici. Donc vous voyez qu'ici, un peu dans une rivière, avec des creux, comme on me l'a précisé dans les commentaires. Et donc, en fait, on peut les ramasser avec un shift-clic droit, normalement. Ouais, mais vous en allez pas. Voilà, donc là, j'en ai ramassé une. Vous voyez qu'il y en a une qui est dans mon inventaire, et donc du coup il y en a tout au long de la rivière, donc c'est pour ça que j'en avais eu beaucoup assez facilement. Je vais la remettre à l'eau. Hop, voilà. Ouais, elle est repartie. Voilà, donc les ammonites, c'est ça. Et bah, je crois qu'on a fait le tour des dinosaures, il me reste juste les triceratops. Je vais essayer de pas en oublier, parce que là j'en ai oublié un, l'épisode 8, et je me suis pris 3-4 commentaires à me dire le plésiosaure, pourquoi t'as loupé? Voilà, donc du coup. On va aller voir le Triceratops, qui n'a pas énormément grandi, je crois. Un petit peu, quand même. Un petit peu, on va aller voir ça. De toute façon, lui, on peut rentrer, il est herbivore. Hop, voilà. Donc, le Triceratops, qui fait cette taille-là, maintenant, qui se porte bien. Hein. Attends, je dis ça, mais je sais pas du tout. Ouais, voilà, il y a toujours le problème des cœurs que je sais pas régler. On croit qu'il m'attaque, là. Ouais, il m'attaque. Ah non, il me suit. Ok, bon bah il me... Ah non, en fait il se baladait. Bon bref, hop, on va ressortir. Et on va laisser tous ces dinosaures tranquillement. Et donc maintenant, pourquoi j'ai ramassé de l'obsidienne? Tout simplement parce que j'avais envie d'aller dans le Nether. Parce qu'avec ce mode-là, il y a un petit truc spécial dans le Nether. Alors, par contre, il va me falloir une épée. C'est bon. Ça... Alors j'ai vite fait vider mon inventaire, très vite fait, juste histoire de dire pas de prendre d'autres choses inutiles. La pioche en diamant, techniquement j'en ai pas besoin sauf si je me trompe, comment dire, dans le craft. Je vais avoir besoin d'un briquet. Hop. Donc oui, forcément, là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai plus de blocs de fer, bah parce que j'ai miné un peu de fer, donc du coup bah voilà, ça s'explique facilement. Hop, forcément, comme d'habitude, je me trompe de craft. Faudrait vraiment qu'un jour je me donne un repère pour l'apprendre. Et je pense qu'on va aller se faire ça. Alors, j'aurais bien pris une pioche en caillou. Voilà, histoire de dire avoir un petit truc pour creuser ou je sais pas. Où est-ce qu'est le deuxième coffre à pierre? Là, 3, donne-moi 3 pierres. On va se faire une petite pioche. Voilà, techniquement des torches, il n'y en a pas besoin dans le Nether. Parce que ça sert à rien, il y a de la lave partout. Et donc on va aller se créer ce portail du Nether. Et on va essayer donc d'aller dans ce Nether. Alors je vais vous faire voir un petit peu où est-ce que j'ai commencé ma mine un peu petit. Donc ça c'était la grotte originale. Hein. On avait. Je sais pas si je vous avais déjà montré. Enfin, voilà. Par là, c'est toute la grotte. Et donc, ma mine optique, je l'ai commencé par là. Alors, vous voyez que déjà, on retrouve des grottes ici. Et voilà. Donc, on continue jusqu'à la couche 12, je crois. Parce que c'est la couche qui est optimisée quand même pour le diamant. Et voilà. Après, ça part tout droit jusqu'à trouver des fossiles. Et après, donc, c'est...
c'est comment dire le mince, comment on appelle ça? La couche optique, et après je pars en mine optimisée. Alors, hop, je vais enlever ça, je vais enlever ça. Hop, voilà. Et voilà, donc là. Ok, super. Bon, ça va, on retombe sur le. Dans ce coin-là. Du coup, je peux remonter par là. Et de toute façon, ce sera rebouché après. Alors, hop, on va se faire le portail dans ce coin-là. Pour pas trop non plus le mettre près de là-bas. Hop, on allume. Alors, je vérifie juste un petit truc au niveau des options graphiques. Que le feu soit quand même en on, que ça fasse pas un truc bien dégueulasse quand on arrive dans le désert. Et c'est parti! Hop. Téléchargement du terrain. Waouh! Et donc, sinon, je sais pas si vous avez vu, j'ai 33 niveaux. Alors, déjà, on va avancer, on va aller par là, le temps que ça charge un petit peu. Donc, j'ai 33 niveaux et j'avais pris un peu plus de psy d'ailleurs que j'ai gardé. C'est pas forcément une bonne chose. J'ai pris un peu plus de psy pour avoir pour pouvoir faire une table d'enchante. Voilà, donc je ferai ça sous peu. Alors par contre, je sais que c'est dans le nether, mais je sais pas du tout où est-ce que c'est. Donc on va essayer d'aller voir un petit peu. On voit la map qui charge là-bas. On va essayer de grimper. Ah ouais, en fait, c'est une fausse illusion parce qu'on peut pas y aller. Non? Ah non, on peut y aller quand même. Donc normalement on devrait trouver un mob assez spécial, à moins qu'il... Je sais pas, en fait je sais pas trop, je sais qu'il y a un mob qui existe. Bon, de toute façon au pire ça nous aura fait une petite exploration au Nether pour terminer cet épisode. Ok, il n'y a rien de spécial. Ah oui, j'allais dire on aura peut-être du quartz, mais non, parce qu'on n'est pas encore dans la bonne version. Je suis toujours en 1.4.5 pour cette série. Parce que le mode n'existe pas en fait pour les versions d'après. Alors, je sais pas du tout où est-ce qu'on doit le trouver, le mob un peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rien, mis à part une caverne, enfin une semi-caverne. Ok, donc apparemment il n'y a rien. Je sais pas du tout, mais alors pas du tout comment on doit le trouver. Ça se trouve c'est dans comment dire, les bastions là où je sais pas quoi. Est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, c'est un peu dangereux quand même. Hop, voilà. Je vais juste remettre un bloc ici. Hop, je prends ma pioche. J'aurais peut-être prendre mon épée plus, mais bon. Ah oui, mais attendez. Si je suis... Oui, d'accord. Je suis en peaceful. Ok, donc je vais essayer de voir en ressortissant... En ressortant... Et en re-rentrant, parce que du coup j'étais en peaceful, ça se trouve il y a un truc qui devait se charger, qui s'est pas chargé. Bah, de toute façon on voit les golems, les trucs là. Ok, donc déjà ça change. Je me disais bien qu'il y avait un petit problème. Non, mais je vois pas le mob que je souhaite. Vous voulez venir faire un tour? Non, tu veux pas y aller? Vas-y, je te dis. Ouais, je vais en voir un là-bas. Hop. Donc, du coup je vais ressortir, je vais revenir. Salut! Tu veux te battre? Tu es tout seul, tu n'as pas d'allié. Tiens, 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 tiens! Oh, en plus il m'a looté une golden. Allez, hop, on re-rentre. Oui, c'était de la violence gratuite. Pour une fois que je tue quelqu'un dans une de mes séries. Ok, donc non, non. Donc c'est pas à la création du portail qu'on rentre dans le Nether, donc à mon avis il va falloir le chercher. Il va falloir le chercher par là. Eh, j'avais pas regardé là-bas. J'ai eu peur parce qu'il me semblait qu'il y avait un truc qui m'était apparu devant la face. Mais je suis pas sûr, je regarderai ça en vidéo quand je ferai mon montage parce qu'il me semble qu'il y a un truc qui m'est apparu devant le nez. Mais je suis pas sûr. Alors, par là, il n'y a rien de spécial. Je vais essayer de trouver un bastion aussi en même temps. On verra s'il y a quoi des... Ouais, non, je sais pas ce que j'ai récupéré dans le désert. En fait, j'ai rien à récupérer. Je voulais juste voir ce mob, mais bon, on va essayer d'avancer, de chercher un petit peu. Ouais, super, il y a les ghasts. J'adore les ghasts. Non, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qui adore les ghasts, sérieusement? Hop, ou alors de loin.
Hop, on va se mettre, essayer de se mettre là-haut, charger un peu plus la map. Je ne vois rien qui me satisfasse, qui me satisfait, tout simplement. Alors, mis à part ce gaz qui fait un bruit assez chiant, comme tous les gaz. Non, je sais pas du tout comment on doit le trouver. Je regarderai sur le forum. Parce qu'en fait, je suis parti un peu à l'aveuglette là-dessus, parce que c'était prévu pour le prochain épisode, techniquement. Et j'ai pas du tout regardé comment on le trouve, comment ça se trouve, faut l'invoquer en faisant quelque chose de spécial. Je regarderai sur le wiki, donc je vais juste rentrer et on va se quitter là-bas. On va peut-être aller refaire un tour au niveau des ammonites si elles sont toujours là. Et donc on pourra se laisser si je ne me perds pas. J'ai bien dit. Hop, normalement, je vais essayer de remonter le plus haut possible. Ok, c'est quoi ce bug? Hop. Est-ce que c'était par là? Oh non, je suis pas déjà perdu. Ah, j'ai traversé de la sous-sande pour venir. Ah non, il est là-bas le portail. Magnifique. Oui, c'était cette sous-sande. Tiens, ça fait mal. Je croyais que ça amortissait les coups, la sous-sande. Bon, bref. Bref. Donc je regarderai pour le prochain épisode. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut le trouver? S'il faut l'invoquer? Je suis toujours paumé quand je sors d'un portail. Tiens, il y en a un deuxième qui est venu. Eh bien... Deuxième couche de violence. Tiens. Voilà. Bon, je fais ça parce que il est tout seul et que je sais que je vais le battre, hein, mais il y en aurait deux ou trois, je le ferai pas. Hein. Autant le dire tout de suite. Parce qu'il y en a qui se plaignent qu'il n'y a pas assez de violence dans mes épisodes. Il fait nuit. J'aime pas quand il fait nuit. En plus, il y a un zombie qui a spawné. Plus j'ai faim. Il y a un zombie qui a spawné dans la cage du Vélociraptor. Je ne sais pas quoi. Je ne sais plus. Il y a trop de noms de dinosaures. Je confonds tout. On va le voir. De toute façon, il va brûler. Et par contre, je pensais que les dinosaures s'attaquaient aux ptérosaures. Bon, alors pour l'instant, ils sont encore là. Les ammonites. Donc je vous dirai ça au prochain épisode. Elles arrivent à vivre ici, si oui, on conservera cet aquarium. Sinon, on fera peut-être un enclos, mais le problème c'est que c'est vachement petit pour un enclos. Sinon, je sais pas ce qu'on fera, on mettra des poulpes. Voilà, un truc dans le genre. Ah mais non, il n'y a pas de truc pour faire spawner des... On verra. Sinon, j'espère que cet épisode vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un comment. Ça fait toujours plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait penser aux nouveaux abonnés que j'ai eu grâce à Masterpiece. Donc encore merci. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à la suivre et à aller voir les autres épisodes qui ont fait le début de cette série. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, bien sûr. Et sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.